Hey, salut! Bon, là, la tune que je vous apprends, c'est I'm Yours de Jason Mraz. C'est une tune assez facile, donc pour les débutants, pardon. Vous avez besoin de quatre accords. Les quatre accords que vous avez besoin, c'est l'accord de sol. Ensuite, l'accord de ré. Ensuite, l'accord de mi mineur. Et pour finir, l'accord de Do. Maintenant, pour faire le premier accord, ce qui veut dire l'accord de Sol, vous avez besoin de placer votre doigt sur la première corde, troisième case. Ensuite, sur la cinquième corde, deuxième case. Et ensuite, sur la sixième corde, troisième case. Vous venez de faire un sol. Maintenant, l'accord de ré. Autant facile. Vous avez besoin de placer votre doigt sur la première corde, deuxième case. Ensuite, la deuxième corde, troisième case. Et la troisième corde, deuxième case. Ensuite, l'autre accord que vous avez besoin, c'est l'accord de mineur. C'est le plus facile. Vous avez besoin de placer votre doigt sur la quatrième corde, deuxième case, et sur la cinquième corde, deuxième case. Et ensuite, le dernier accord, finalement, vous avez besoin de placer votre doigt sur la deuxième corde, première case. Ensuite, la quatrième corde, deuxième case. Et ensuite, la cinquième corde, cinquième corde, pardon, troisième case. Alors, ça va ressembler à ça. C'est pas mal ça. Bon, maintenant, essayez de refaire cet accord. Mais vous le faites de cette façon. Je vais vous montrer. Vous donnez un coup de pic. Vous faites donc bas, haut, et vous arrêtez le son des cordes, vous arrêtez les cordes de vibrer en déposant votre main tout simplement dessus. Vous le faites quatre fois. Ensuite, vous changez d'accord. Vous avez l'accord de ré. Celui-ci. L'accord de mi mineur. Puis, l'accord de do. Et c'est pas mal ça. Maintenant, écoutez qu'est-ce que ça donne avec la chanson. Pardon. Ok. Et merci! C'est ici la fin d'une autre vidéo de Barbie 115. Merci bien!